Oh mon dieu. Non mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. Vraiment c'est incroyable. Je surkiffe trop. Il peut faire ça 10 ans s'il veut. Vraiment 10 ans, je regarde les 10 ans. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les meilleures vidéos artistiques de Poppy Playtime chapitre 2. Que ce soit des dessins, des maquettes ou encore des sculptures autour de Poppy Playtime chapitre 2. Eh bien on va tout regarder et on va surtout regarder les meilleures vidéos. Ok, il commence par faire une sorte de corps. Il y ajoute de la pâte à modeler, je suis pas 100% sûr que c'est de la pâte à modeler. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. On dirait plutôt une pâte un petit peu étrange. Mais non, en vrai ça c'est de la pâte à modeler. Non, je pense que c'est de la pâte à modeler. Et là je suis sûr et certain qu'il est en train de commencer Mommy Long Legs. Vous écrivez un petit commentaire et si vous aviez raison sur le personnage que c'est, je mettrai un gros cœur sur votre commentaire. Ok, let's go, je suis sûr et certain que c'est Mommy Long Legs. Pourquoi? Parce que Mommy Long Legs en anglais, ça veut dire Mommy aux longues jambes. Et là, littéralement, regardez ses bras et ses jambes, elles sont gigantissimes. Vraiment, je suis presque sûr et certain que c'est ça. Ok, là, c'est sans doute la tête. Peut-être, je sais pas. Ah non, c'est les mains. Oh, j'aurais dû deviner. Voilà, il est en train de faire des petites encoches. Franchement, il est trop fort par contre. C'est de la pâte à modeler, hein. Vraiment, c'est sûr et certain que c'est de la pâte à modeler. Là, c'est le chignon, je crois, de Mommy Long Legs. Non, c'est ça ou pas? Est-ce que on va le découvrir dans très peu de secondes? D'ailleurs, moi je l'ai vu, Mommy Long Legs, dans la vraie vie. J'ai d'ailleurs essayé de la taper avec une batte de baseball. Regardez-la, moi, cette grosse batte de baseball. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mettrai à la toute fin de celle-ci. Vous pourrez cliquer et aller la voir. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, c'est très important. Surtout si vous voulez découvrir le résultat final de ce truc incroyable qui est en train d'être construit. Genre, vraiment, c'est trop stylé. D'ailleurs, si vous avez cliqué pour la miniature, et ben je vous le dis, ce sera dans cette vidéo. Vous inquiétez surtout pas. Il y aura des dessins très stylés de Poppy Playtime chapitre 2. Alors là, c'est clairement Mommy Long Legs et c'est vraiment trop stylé. Franchement, je suis complètement fan. On a clairement la tête de Mommy Long Legs. Je profite de la construction pour vous montrer mes derniers achats. Là, on a clairement Mommy Long Legs qui est en train d'être construite, mais regardez, voilà mes derniers achats. Alors par contre, j'ai dû réactiver le fond vert parce qu'il y en a une littéralement qui est toute verte. Ce sont des figurines pop de Five Nights at Freddy's. Ce sont des figurines pop de Five Nights at Freddy's. Regardez celui-ci, il est clairement magnifique. Et enfin, Foxy, voilà, qui sort de son terrier. Notez-moi ces figurines en commentaire. Ok, on a Huggy Wuggy tout vert qui est en train d'être construit. Quel va être son rôle à cet Huggy Wuggy tout vert? Ok, il est étrange, let's go. Alors par contre, je ne connais pas ce Huggy Wuggy vert. Il est dans le chapitre 2, genre. Vous allez me dire en commentaire parce que j'en avais pas connaissance. Pour moi, il y avait Poppy Playtime Player, Killy Willy et Mommy Long Legs. Alors qu'est-ce que c'est que ce Huggy Wuggy tout vert là? What? Je comprends pas trop le délire. Mais il a l'air assez stylé. Oh mais ce serait pas le bébé? Mais si, je crois que c'est le bébé Huggy Wuggy. Mais si, c'est baby Huggy Wuggy, mais pourquoi il est aussi grand? Mais what? Je comprends pas trop. Ok, la pâte à modeler, franchement ça c'est une bonne astuce pour la pâte à modeler. Genre vous faites une boule en fait d'un autre matériau. Enfin là en l'occurrence je crois que c'est en papier aluminium, on va aller vérifier vite fait. Je crois que j'ai raison, c'est bel et bien ça. Et franchement très bonne astuce, j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Ça va être incroyable, oh la bouche elle est tellement stylée. Mais what? Mais c'est tellement incroyable. Ok, let's go. La bouche, ok, mais oh là 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 là. Ça va être, ça va être incroyable, je le sens vraiment. Ça va être un truc de fou furieux. Les petites dents de Huggy Wuggy, il a plein de rangées dedans, Huggy Wuggy. Combien d'après vous il a de rangées dedans, Huggy Wuggy? Petite question pour vous là maintenant. Alors là on en voit presque, mais moi je sais combien il y en a. Et il en a 3, il a 3 rangées dedans, Huggy Wuggy. Même si là en l'occurrence c'est baby Huggy Wuggy. Ok, regardez, il a un petit bouton à la place d'un œil. Let's go, wow, mais il est stylé baby Huggy Wuggy. Mais en fait il est plus du tout baby. Il est devenu carrément grand. D'ailleurs on est sur la chaîne de Toei Art. Pour ceux qui voudraient regarder d'autres de ses créations, c'est Toei Art. Let's go, il est en train de faire des petits boulons. Ça va servir à quoi? Alors pour l'instant les personnages, il y a baby Huggy Wuggy, il y a Mommy Long Legs. Mais ouais, j'arrive pas trop à savoir tout ce qu'il y a. Ok, on va vérifier ça de toute façon. À la fin ça va être incroyable, là il y a plein de boulons. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'ai vraiment du mal à imaginer la scène finale. Baby Huggy Wuggy vs Mommy Long Legs. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ok, ça c'est un bras un petit peu en mode animatronique, j'ai l'impression. On va vérifier, hein. Mais je crois que j'ai raison. Il est obligé de refaire de nouveaux boulons. Ah non, c'était pas de nouveaux boulons, c'est... Oh, mais c'est clairement... Ah oui, là c'est clairement un bras d'animatronique. Oh, en plus, il peint. Mais what? Mais c'est tellement stylé. Oh, les bras... Wow, il en a fait 4. Oh, le boulot, mais c'est... Oh là 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 là, mais attendez, vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser à un méchant dans Spider-Man. Et oui, je suis sûr que vous savez de qui je parle. Je parle évidemment de Docteur Octopus. Si vous trouvez que j'ai raison, il est temps de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de ce style. Tu peux aussi mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo si ça te chante. Si on atteint les 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je refais une nouvelle vidéo, les meilleures créations artistiques de Poppy Playtime chapitre 2. Bref, vraiment hâte de découvrir le résultat final. Ok, 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 c'est en train d'arriver. Let's go. Ok, what? Ok, mais what, c'est Docteur Octopus en bébé Huggy Wuggy. Ah, il fait peur. Ah là 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 là, c'est quoi ce délire? Il est super flippant. Et on a Mommy Long Legs, mais
Oh mon dieu, les deux réunis dans la même pièce. Vraiment, tu me donnes 1 million d'euros, jamais de la vie, je vais dans cette pièce. Mais quoi? Mon million Glex, il est capturé par Baby Huggy Wuggy? Mais c'est pas possible. Wouah, mais attends, mais il est en train de la disséquer. Mais c'est pas possible. Vraiment, je suis complètement choqué par ce que je viens de voir. Sachant que c'est que le début, puisque les dessins vont arriver maintenant. On se retrouve sur la chaîne de Face Drawer How to Draw. Mon accent anglais est terrifiant. Et regardez, c'était... Mais tiens, mais ça, c'était trop stylé. Attendez, il faut qu'on regarde. Mais regardez-moi ça. C'est beaucoup trop stylé. Huggy Wuggy avec Mommy Long Legs sur le dos, qui est en train de faire un petit peu de vélo. Ok, alors, pourquoi à droite, c'est le mauvais dessin, et pourquoi à gauche, ce serait le bon dessin? Ok, on va découvrir ça très rapidement. En tout cas, on part littéralement sur un dessin de Mommy Long Legs, mais vraiment genre en mode très vite fait. Genre moi, je peux le faire dans une de mes vidéos de dessin. Et à droite, à mon avis, ça va être Mommy Long Legs en version super stylée. Est-ce que ça va être ça ou pas? J'ai hâte de le découvrir. Alors là, il colorie. Oh, ces feutres, ils sont trop bien pour colorier. Moi, il me faudrait tellement ça. Genre, regardez, tu peux mettre vraiment beaucoup plus large. Mais what? Mais c'est cheaté en fait. C'est comme un fluo genre. Bon voilà, en gros ça c'est la version Wish de Mommy Long Legs. Et à gauche il va nous faire une version incroyable de Mommy Long Legs. Je le sais déjà d'avance. Comment est-ce qu'elle va être cette version? Elle va être incroyable à mon avis. Il est en train de commencer son dessin. Ok, les yeux. Ils sont beaucoup plus stylés. Bon, en vrai on va vite avancer sur cette vidéo parce que c'est pas forcément les trucs qu'on veut voir maintenant. Non mais what, regardez à quel point c'est stylé. Je vous mets quand même le résultat final. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas photo hein. La Mommy Long Legs à gauche est beaucoup plus stylée. Ok, il commence du coup un nouveau Huggy Wuggy. Ce serait pas la tête de Mommy Long Legs derrière? Oh mais il va nous montrer comment il a fait le vélo. Incroyable. Vous allez sans doute pouvoir le reproduire grâce à cette vidéo. Regardez là, il est en train de colorier le dessin. C'est incroyable, c'est trop stylé. Oh mon dieu, ça tue, c'est incroyable. Alors là son dessin il est presque fini. Et genre il va faire quoi après? Ok, on va voir comment est-ce qu'il a fait. Il prend du carton et il va coller sur du carton. Mais what? Ah oui d'accord, il colle une première partie. Et ensuite il coupe, ok il l'a découpé. Incroyable, il y a une première partie qui est sur du carton. Ok, qui est en partie rigide. Ensuite il prend un fil de fer. Il le transforme genre en petite pédale comme ça. Ok, stylé, il met des trucs pour coller. Wouah, mais je crois qu'on a déjà vu le résultat final. Mais si c'est ça, ça va être incroyable. Ok, let's go, il attache, non mais c'est clairement ça. Ça va être trop stylé, et là il nous fait une petite boîte en carton dans laquelle Huggy Wuggy de Pop Playtime va pouvoir pédaler. Alors attends, comment est-ce qu'il va faire? Parce que bon là c'est bien beau, mais je suis pas sûr que ça fonctionne hein. Oh mon dieu, c'est incroyable, je suis choqué. C'est trop stylé. Ok les abonnés, là je crois qu'on va être sur une vidéo extrêmement stylée. Regardez déjà Huggy Wuggy qui a mangé Mommy Long Legs. Ok, let's go. Ok, qu'est-ce qu'il va dessiner? Oh, j'ai tellement hâte de voir ce qu'il va dessiner. Là je crois que clairement ça va être la miniature de cette vidéo, parce que je crois que ça va être incroyable. Ok, let's go. Ok, il dessine quoi? C'est toujours en rapport avec Poppy Playtime chapitre 2. Je suis comme un ouf. Ok, du coup let's go. Il est en train de faire quoi? Ce serait pas le player Poppy Playtime? Le petit bonhomme jaune là, vous savez? Je crois que c'est lui hein. C'est le joueur que vous incarnez. C'est clairement lui. C'est le player Pop Playtime. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ok, alors c'est le player de Pop Playtime. Let's go. Ok, qu'est-ce qu'il a sur son dos? Non, ça a l'air d'être le truc normal. Non, c'est sa main. Ok, ah oui, c'est les mains. C'est les mains, vous savez, la main bleue, la main rouge. Je parle évidemment de ses fameuses mains. Et du coup, il est en train de dessiner ça clairement. Ok. Wow. Oh, je sens que ça va être stylé. Oh, je sens que ça va être trop stylé. Ça va être genre le corps intérieur du player de Pop Playtime. Oh mon dieu, ça va être incroyable. Je sens que ça va tuer, que ça va être un truc de fou furieux. Oh mon dieu, ok, let's go. On va voir, ok, il est en train de faire le squelette du player de Playtime. Oh le résultat final, ça va être un truc de fou. Je vous le dis directement, ça va être un truc de malade. Clairement, je sens qu'on va kiffer, on va tous être là. Wow. Je veux la même chose chez moi. Bon, la tête de squelette, ça rassure pas trop quand même. Je suis pas totalement confiant avec une tête de squelette. Il est en train de faire des organes, mais ah, oh là, ça a l'air bizarre tout ça par contre. Wow, j'espère que ça va pas être trop glauque. Sinon, je vais encore me faire démonétiser. Il y a une vidéo backrooms que j'ai postée récemment qui a été entièrement démonétisée. Mais en même temps, je comprends et je suis désolé. Il y avait une scène un petit peu glauque. Mais là, en vrai, ça va rester du dessin. Du coup, ça devrait être cool. Ok, wow. Il suffit que je dise ça pour qu'on voit des organes un peu déchiquetés. Mais en vrai ça reste du dessin. Ça reste plutôt tranquille. Coucou à tous les parents qui regardent des vidéos avec vous et qui sont peut-être actuellement devant cette télé en train de regarder cette vidéo. Merci à vous aussi de me regarder. Ok, oh, franchement ça va. Franchement ça va, en vrai ça passe. Franchement c'est pas trop non franchement ça passe de ouf. C'est juste un dessin, en vrai ça passe de ouf hein. Le crâne est vraiment stylé par contre, les os et tout aussi. Oh là là. Oh c'est vraiment incroyable. Et le résultat final, vous savez, parce que le résultat final, genre vraiment vous allez voir. Après ça se re... Oh mon dieu. Non mais c'est trop stylé. C'est trop stylé, vraiment c'est incroyable. Je surkiffe trop.
Il peut faire ça 10 ans s'il veut. Vraiment 10 ans, je regarde les 10 ans. Ok, on s'en fait un petit dernier pour le plaisir, vraiment. Je crois que c'est encore un nouveau truc artistique vraiment trop stylé. Toujours sur la même chaîne. Et du coup, il commence avec une tête de Huggy Wuggy du chapitre 2. Et on a une grosse boule à gauche qui devrait être posée sur sa main. Et ça va faire un effet d'optique ultra stylé. Et je crois que d'ailleurs, la boule de gauche, ça va être le player de Poppy Playtime. Incroyable, ça va être encore une vidéo trop stylée. J'ai trop trop hâte, let's go. Et j'en profite pour vous dire que dès la semaine prochaine, j'aurai une toute nouvelle caméra qui va filmer ma tête. Ce sera beaucoup plus stylé. Et je vais essayer de faire un décor très flippant derrière moi. Avec tout plein de figurines, de Five Nights at Freddy's, etc. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée. Ok, il a fini son comment on appelle ça, un schéma. C'est genre le brouillon et après il a juste à retracer les traits. Ok, donc vous allez voir, normalement ça va être sur sa main. Et ça va faire un giga effet d'optique trop stylé. J'ai trop hâte de vous montrer ça, vous allez voir, ça va être encore un truc. On va être là, oh c'est trop stylé. J'adore ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo, vous aussi. J'ai pas mal de vidéos réactions en ce moment et j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup. Bref, on en revient à Huggy Wuggy. C'est trop stylé ce qu'il est en train de faire. Donc en gros, regardez, regardez son bras. Ok, ok, déjà les couleurs. Il a effacé les traits de crayon de papier. Alors ça par contre, pour vraiment pour colorier, c'est incroyable. En fait, il a des feutres, genre c'est comme un fluo. D'ailleurs, moi, quand j'étais au collège, je kiffais trop les fluos. Je sais pas vous, mais vraiment, je faisais que d'acheter des fluos. Et je fluotais tout, tu vois. Bon, en vrai, c'était pas très utile et au final, c'était un peu moche. Mais dites-moi si vous faites ça aussi dans votre collège. Ok, ok, du coup, il tient la tête du joueur de Poppy Playtime. Vraiment, c'est stylé. Et après, il va le découper, le poser sur sa main. Et ça va rendre un effet d'optique ultra stylé. Vraiment, j'ai trop trop hâte de vous montrer ça. Let's go. Ok, ok, ok. Ok, oh, les yeux injectés de sang. C'est vraiment stylé. Regardez, il découpe, attention. Il va découper. Ok. Et là, il va poser sur sa main. Regardez l'effet d'optique. Mais non, je suis obligé de mettre stop à cette vidéo. C'est trop stylé. Genre vraiment, je trouve ça beaucoup trop stylé. On finit la vidéo sur cette image ultra satisfaisante. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le dès maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde les potos, je vous aime et à très très vite. I don't want it to end.